Antoine Dupont continue de prendre son mal en patience. Au lendemain de son grand retour à l'entraînement, le capitaine des Bleus s'est une nouvelle fois contenté d'une séance allégée, passant le plus clair de son temps à la salle, lundi. S'il est désormais acté qu'il ne sera pas sur la pelouse face à l'Italie, vendredi, le demi de mêlée toulousain est en revanche bien décidé à tenir sa place lors du probable quart de finale contre l'Afrique du Sud. Et pour René Bouscatel, le président de la Ligue nationale de rugby, l'ancien castré sera maître de son destin. J'entends les grands experts se prononcer sur le sujet. Mais celui qui prendra la décision, c'est Antoine Dupont, sur préconisation et avis des spécialistes qui l'ont opéré, a-t-il ainsi confié dans les colonnes de Sud-Ouest, confiance et crainte d'une rechute. Car pour l'ancien président du Stade toulousain, les Sud-Africains pourraient être tentés de cibler le visage du natif de Lannouzan, ce qui serait pourtant lourdement sanctionné. J'espère que les Sud-Africains seront assez fair-play. Et s'ils jouent, que ça tienne, qu'ils ne prennent pas un coup au même endroit. Il y a peu de chances statistiquement, j'espère que les Sud-Africains seront assez fair-play pour ne pas en faire une zone d'impact. A-t-il ajouté avant d'expliquer avoir été soufflé par l'intensité du choc entre Springbok et Irlandais, j'étais au match Afrique du Sud-Irlande, j'avais les poils qui se hérissaient. Quelle ambiance! Quel jeu! On peut être adepte ou non, mais waouh, ça, c'est du rugby. Je crois qu'on va voir de très grands quarts. Le président de la LNR a d'ailleurs donné sa recette pour venir à bout de l'Afrique du Sud. Face au Sud-AFS, il ne faudra pas se sortir de devant. Le jeu direct de l'Afrique du Sud fait leur force. Si l'adversaire ne cède pas, ils n'ont pas de plan B, a-t-il expliqué. On l'a vu face à l'Irlande. Si celui qui lance bien le jeu, prend un peu plus d'initiative, et résiste aux défis physiques, il a de bonnes chances de gagner.